Bonjour, bienvenue dans le JT des nuages. Tout d'abord les titres. Haute couture. Karl Lagerfeld s'intéresse au projet de relooking des tours nuages. Pour les tours Picasso, je vois du rouge, je vois une longue robe avec beaucoup de couleurs. Du orange, du jaune, du bleu, du violet, de l'or, de l'argent et beaucoup de paillettes. Logement. Nous retrouvons notre envoyé très spécial, Jimmy Fake News, au cœur du quartier Picasso. Allô Jimmy, vous m'entendez? Allô Jimmy, vous m'entendez? Oui, je vous reçois très bien. Je suis avec Fatou, habitant du quartier Pablo Picasso. Il paraît que le quartier va être rasé pour construire un stade olympique. Ah bon? Incroyable! C'était extraordinaire! C'est faux? Et aussi, les habitants vont être relogés en Alaska? C'est totalement c'est faux. C'est inédit! Attends, incroyable! Raconte quoi, lui? Jimmy Fake News. À vous, les studios. À présent, économie. Nous retrouvons Ronald Rumeur en direct sur la question du jour, le petit commerce. Ronald, vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Je suis actuellement dans le quartier Pablo Picasso à Nanterre. Nous sommes avec un habitant qui s'appelle Mehdi. Nous allons lui demander qu'est-ce qu'il se pense des nouveaux commerces qui vont s'installer. Que pensez-vous? C'est une idée. Je trouve ça super. Avec tout ce qu'il y a, c'est vraiment parfait. Je crois, tout est clair. Et pour terminer, politique internationale. Le sujet de la cité Picasso intéresse outre-Atlantique. Donald Trump, en exclusivité, s'adresse aux Nanterriens. Moi, si j'étais Patrick Jarry, je construirais un mur autour du quartier Picasso et je construirais un giant McDonald's autour du parc André Malraux. Bon, tous les avis ne sont pas bons à prendre. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce JT. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire et je vous souhaite une excellente soirée.